je m'appelle Pascal Wittendahl, je suis gardien de la résidence depuis 3 ans. Et avant, j'étais en entretien, donc ça fait 7 ans que je suis à la résidence. Nous aussi, notre mission, c'est de désinfecter toute la résidence, tous les 3 heures. Toutes les parties communes et les poignées de porte, les portes, toutes les 3 heures, et même le week-end, 7 jours sur 7. Les bons côtés, c'est que ça resserre les liens entre les personnes. Comme nous, il y a beaucoup de personnes âgées, il y a des personnes qui ne sortent pas. Nous, ça nous permet d'aller les chercher, de les sortir, l'entraide entre eux, quoi. C'est pas tellement pour nous, parce que nous, on travaille, mais c'est les personnes âgées qui sont confinées chez eux, ils ne peuvent pas recevoir leur famille. C'est un peu problème, parce que c'est nous qui sommes là, sur place, donc on les voit qui dépriment, c'est un peu dur pour eux, quoi. Moi, le conseil, c'est de suivre, comme dit le président, c'est de garder les distances de sécurité, c'est de bien se laver les mains après chaque passage, quand on va aux toilettes, quand on sert quelque chose, quand on mange, quand on va chercher ses courses, bien se laver les mains et surtout porter le masque. Moi, je pense qu'il amènera plus de solidarité envers les gens, entre les voisins et tout ça, que ça a permis peut-être de connaître ses voisins qu'on ne connaissait pas avant et qu'on ne se voyait pas. Et là, ça permet de lier un lien, et je pense que ce lien restera, j'espère.